Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu comme ça face à face. Et du coup les gars, on se retrouve pour le premier épisode de la série. Donc du coup là on est le premier jour les gars. On a décollé assez tard parce que si vous décollez tôt, si vous partez en vacances, là, ceux qui regardent la vidéo et qui partent en vacances, décollez vraiment tôt parce que vraiment les gars, si vous vous tapez les bouchons, il y a des potes à moi, ils sont partis en vacances, ils se sont tapés 5 heures de bouchons. Donc vraiment les gars, décollez tôt. Nous on a décollé à minuit de Nancy. On va se retrouver tout au long de cet épisode. Bah tout simplement sur la route etc. Voilà, je vais vraiment vous baigner avec moi dans le truc. Et il y a déjà 3 vidéos de prévues sûr et certain. On va aller direct sur la villa et à la fin de la vidéo on se quittera sur la villa. Et ensuite ce sera à suivre les gars. Donc du coup c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la suite du vlog. Et aussi la voiture, je vous filme l'erreur dedans mais je vous spoil pas la voiture. La voiture sera pour l'épisode 3. Épisode 2 c'est présentation de la villa, épisode 3 c'est présentation de la voiture. Et ensuite bah tout ce qui va avec, on verra. T'as un mot? Mets le masque va. Mets le masque. Ça on dirait même pas qu'on y est. Wesh Max. Wesh. Ça fait longtemps que t'as pas vu sur ma chaîne. C'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bon, en même temps avec le confinement les gars on pouvait pas trop sortir. Comment ça s'est passé cette première heure de route? Bah on est un petit peu serré mais ça va. C'est vrai que vous êtes dans une voiture pas... Oui c'est les pires. Pas adéquate. Je vous spoil pas les voitures parce que peut-être que je vous présenterai aussi la deuxième voiture parce qu'il y a une deuxième grosse voiture. C'est la mienne. Mais en tout cas la première vous allez kiffer ça c'est sûr. On verra. Bon du coup actuellement arrêté deuxième station. On est à la moitié de la route là, 4 heures à peu près. Je vous spoil pas la voiture mais vous voyez un peu déjà le siège. Vous vous dites ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous venez vous demander qu'est-ce que c'est. C'est pas mal. On est à Lyon. Par contre à Lyon les gars il y a un truc qui craint à Lyon. C'est les radars. Les radars, il y en a 1 milliard à Lyon. Et au Lyon, c'est... Le maire de Lyon, il veut nous taxer. Hein. Il y a 1 milliard de radars, c'est trop chaud. Voilà, donc du coup, moi, j'ai conduit là pendant 4 heures. Ça va être au tour de Bad Flunch de conduire. Parce que là, il est actuellement... Quelle heure alors où je vous parle 5h30, je crois. Attendez, il faut que je regarde sur mon téléphone. 5h35. Donc voilà, il nous reste 3 heures de route à peu près. Un prix. Bon du coup là vous pouvez voir qu'il fait un peu jour. On est à peu près à 2h. Là on est, je sais même pas on est où. Parce que je dormais, du coup c'est pas moi qu'on disait mais est-ce que vous pouvez dire que mes sandales sont swag? Est-ce qu'elles sont swag? Bon les gars, actuellement à 1h de l'arrivée, on est dans une magnifique vue. On s'est arrêté pour mettre de l'essence parce qu'on n'a plus d'essence dans la voiture. C'est une voiture qui consomme quand même. Et franchement, on vient de voir un accident les gars. Faites attention sur la route parce que nous, enfin, attention, on roule vraiment, on respecte. Mais c'est assez choquant, c'est assez choquant. Bête de vue les gars, bête de vue. Yo les gars, voilà enfin arrivé, on vient de manger un petit resto, donc je ne sais pas filmer le resto et tout. On vient d'arriver devant la ville actuellement et on va aller se poser, là on a rendez-vous à 13h30, il est 13h20. Alors je vous parle, le problème c'est que les rues sont un peu... c'est un peu petit, c'est des sens uniques et tout. Donc du coup c'est un peu compliqué les gars. Mais du coup là on va aller se poser tranquillement, je vais vous montrer quand je vais installer le setup etc. Parce que j'ai pris mon matos au cas où. Au cas où je prolonge, au cas où on reste, on sait jamais, tu vois. Si t'as envie, si je kiffe, tu vois, je resterai ou pas, tu vois.
Et du coup voilà, et comme je vous dis, l'épisode 2, c'est la présentation de la villa où je vous présenterai un peu comment elle est, etc. Voilà, il y a une piscine, on a la chance d'avoir la piscine. Et surtout les gars, on est à 200 mètres de la plage. En gros, on est à 200 mètres quoi. On est à 200 mètres de tout. Bon, c'est parti les gars, on va rentrer dans la villa, on vient d'avoir les clés. On va rentrer dedans, on attend juste que les autres passent, parce qu'il y a 3 voitures. Si jamais vous voulez que je fasse la vidéo sur la... Bah, une fois que j'aurai fait la... Ah ouais, fais gaffe, il craint, lui, il sait pas conduire. C'est un taudis ou quoi? C'est un trottoir? C'est comment? Attention, on rentre dedans les gars, là on est en train de rentrer dedans. Je sais pas si ça passe la porte là. Il y a la proprio. La proprio est juste là les gars. Et c'est ouvert là, les portails. Ouais. Le portail, ouvre le portail s'il te plaît. Ouvre le portail. Bon les gars, on est dedans. Bon ça y est, je suis descendu de la voiture les gars. Alors comment vous dire que la villa, elle est énorme. Elle est énorme, le truc c'est un bâtiment. Bah, déjà regardez à peu près le truc qui est à peu près derrière moi déjà. Regardez le truc qui est derrière moi. Je crois qu'il y a trois étages. Ouais, il y a trois étages déjà dans la villa, tout ce que je peux vous dire. Donc ça va être magnifique. On va passer des bonnes vacances et puis je vais essayer de vous filmer tout ça, etc. Comme je vous ai dit, l'épisode 2 ça sera sur la villa. Je vous montrerai un peu ça. Déjà le portail il est énorme. Bon après c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de pas live et tout, de pas stream, etc. Bon du coup moi je vais aller visiter la villa. Bon du coup les gars, on arrive à la fin de cet épisode 1 sur simplement la route jusqu'à la villa. Et comme l'épisode 2 je vous ai dit, ça va être la présentation de la villa. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit grand hôtel, mais c'est pas un hôtel, c'est une villa, attention, c'est juste la déco quoi. Je vous spoil une partie de la villa, là je suis en train de vous spoil vraiment une petite partie. La villa elle est juste énorme, je pense que vous avez kiffé l'épisode, enfin je pense que vous allez kiffer l'épisode 2. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un maximum de pouces bleus, un maximum de likes les gars. Et voilà, comme ça, ça motivera à faire plus de vidéos ici, tout simplement dans la villa. Sachant que j'en ai déjà tourné une autre, donc la villa, j'ai déjà tourné là actuellement où je parle, j'ai déjà tourné la vidéo sur la villa. Et l'épisode 3, je vais filmer tout à l'heure, ou voilà, je peux pas vous spoil parce que c'est la pièce secrète qui sortira normalement jeudi, si tout se passe bien, j'espère. Parce que là, on est mardi, du coup, c'est la vidéo où, sur le chemin. Au revoir, la salle, tu vas me manquer la salle. Du coup, mercredi, c'est la vidéo de présentation de villa. Alors, normalement, l'épisode 3, je suis censé vous montrer les gars la voiture, mais je pense que je vais faire pour l'épisode 4. L'épisode 3, ça sera la présentation de la pièce secrète. Et épisode 3, enfin épisode 2, du coup pas 3 non, épisode 2, ouais, 4, ça sera du coup la présentation de la voiture. Sachant que il y aura peut-être un autre épisode 5 où je vais rencontrer une autre voiture, enfin voilà, vous verrez, de toute façon, c'est une petite série sur les vacances. Je suis avec Batflun, je suis là, tout le monde est parti au resto. Là je vais les rejoindre, je leur ai dit de m'attendre parce qu'en fait voilà, j'envoie tous les rushs et tout, enfin bref. Donc du coup c'est parti, on s'assied dessus et on se retrouve pour l'épisode 2 à suivre.